J'étais malheureuse, j'étais seule dans mon lit. Il m'arrivait de pleurer, mais vraiment comme un bébé, hein, à ne pas savoir ce que je fichais sur la terre. Pourquoi moi? C'était toujours une question que je me posais. Pourquoi moi? Pourquoi? Pourquoi ce succès? Pourquoi tout d'un coup cet argent, cette gloire? Pourquoi? C'est-à-dire qu'être sur scène pendant 2 heures, je pensais pas à mon mal-être. Mais le problème, c'est que j'étais pas sur scène pendant 24 heures, donc il y avait 22 heures à gérer à côté. Mmh. Et c'est celle-ci qui était vraiment difficile à supporter. À un moment, je crois qu'elle a été effectivement perdue dans ce jeu de rôle, de miroir qu'est le rap, où on est quelqu'un, on assume la personnalité de quelqu'un d'autre. Et d'une certaine façon, moi, ce que j'ai vu dans le livre, c'est une forme de, pas de démission, mais de recul. Elle dit d'ailleurs, dans l'interview, elle dit, si j'avais à choisir aujourd'hui entre être sur le devant de la scène et laisser ma place, je laisse ma place. Ouais. Ce qui est quelque chose qui n'existe pas, ouais, en rap. On est là pour être le premier, pour dire j'existe, pour balancer tout ce qu'on a. C'est ce qu'elle a fait. En gros, ce livre, c'est l'histoire d'une renaissance. Et en communication, vous le savez, Jean-Marc, ça marche. Le public adore voir ses idoles avouer leurs faiblesses. Donc, elle y va sans détour. Elle raconte sa vie de maman. Elle a une petite Mariam qu'elle élève loin de la région parisienne, à la campagne. Elle explique avoir séjourné en hôpital psychiatrique en 2008. On découvre dans le livre que 3 semaines avant, vous aviez déjà fait 1 mois et demi d'hôpital psychiatrique. Que 2 jours après, vous y retourniez. Voilà. Ce que les gens ne savent pas, c'est que je suis complètement stone, quoi. J'ai pris beaucoup de cachets, je sors de clinique psychiatrique. Je fais le truc parce qu'il faut le faire. J'avais envie de dire aux gens, mais arrêtez, vous savez pas. Là, vous voyez une enveloppe, mais dedans, c'est mort. Il n'y a plus rien. Je suis vide, je suis triste, je suis malheureuse. Je n'aime pas ma vie, je n'aime pas la vie. Je sentais que mes copines, elles étaient dépassées par mes états d'âme. Tout le monde était dépassé par mes problèmes. Maintenant, j'ai besoin que Dieu me parle aussi. J'avais besoin de ce retour, et le retour, je l'ai eu en lisant le Saint-Coran, en fait. J'ai ouvert ce livre comme j'aurais pu ouvrir autre chose, hein, et il s'avère que j'ai été prise d'une révélation en le lisant, parce que convaincue qu'il était la parole de Dieu. Ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'elle s'est débarrassée de la rime, elle s'est débarrassée de la musique, elle s'est débarrassée des artifices pour faire une introspection qui est tout à fait honnête et... oui, honnête, voilà. Et sincère. Et sincère, enfin, c'est ce que j'ai ressenti. C'est compliqué d'être une femme musulmane avec son voile en France aujourd'hui? Alors, ça reste le pays des libertés, dans le sens où j'ai le droit de mettre mon foulard, j'ai le droit de mettre mon voile et tout ça. Mais, les préjugés, les méchancetés, les critiques, les cases, c'est fatigant.